Salam alaikum, j'espère que vous allez très bien mes chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon de grammaire, l'adjectif qualificatif. Dans le maïzaïr, on chauffe l'adjectif qualificatif, les ouas, nazib, l'oral arabia, aïe, assefa. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser le nom. Par exemple, une fleur rouge. La fleur rouge. Alors, fleur, c'est le nom. Rouge, c'est l'adjectif qualificatif. Alors, il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. L'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte, en genre masculin ou féminin. Ça veut dire quoi? Le nom masculin, l'adjectif, c'est au qu'on masculin. Il est qu'un féminin, l'adjectif aussi féminin. Et en nombre singulier ou pluriel, il est qu'un le nom ism mufrad, l'adjectif est qu'on mufrad. Il est qu'un pluriel jama, l'adjectif est qu'on jama. L'adjectif peut se placer avant ou après le nom qu'il qualifiait. Dans l'adjectif, il peut يجي قبل من الاسم ou il peut يجي بعد الاسم. Par exemple, l'enfant content. Alors, l'ism, l'enfant, j'ai l'adjectif من بعد l'enfant اللي هو الاسم. C'est une petite histoire. هنا جاء l'adjectif petite قبل من le nom histoire. Et plusieurs adjectifs qualificatifs peuvent préciser un seul nom. يقدر un seul nom, يعني اسم واحد يكون عنده مجموعة من les adjectifs. Par exemple, la jolie et belle voiture rouge et neuve. Passons maintenant au manuel du trésor des mots, troisième année de l'enseignement primaire. Alors, بالنسبة للأدجكتيف كاليفيكاتيف الدرس ديال اليوم هو مخاش غير بالنسبة للتخوازيام عني السنة الثالثة ابتدائي وإنما أيضا المستوى الرابع ابتدائي ولماذا الخامس ابتدائي أيضا. Alors, prenons la page 102. Je retiens l'adjectif qualificatif précise le sens du mot qui l'accompagne. Exemple, les gens riches logent dans de belles et vastes villas. L'adjectif qualificatif peut être supprimé sans changer le sens de la phrase. Exemple, les gens logent dans des villas. L'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. Exemple, les hauts immeubles des familles pauvres. Plusieurs adjectifs qualificatifs peuvent préciser un seul nom. Exemple, la jolie et belle voiture rouge et neuve. Et d'ailleurs, comme je venais, un adjectif qualificatif ou يصف الاسم المرافق له. أيضا يمكننا أن يحذف دون أن يتغير معنى وأيضا ويمكن أن يكون أيضا قبل أو بعد الاسم كما يمكن أن يكون plusieurs adjectifs مع اسم واحد. Je m'entraîne. Soulignez les adjectifs qualificatifs. On se trouve là les adjectifs qualificatifs. Rania a un joli chat. Idem, Rania a déjà un chat. Idem, alors l'adjectif c'est joli. Le père de Selim répare sa vieille moto bleue. Idem, Walid Selim, nous les avons déjà vu. Neria Zarqa.
Alors, les adjectifs, c'est vieille et bleu. La pauvre famille habite une vieille maison délabrée. تعيش الأسرة الفقيرة في كوخ قديم. Alors l'adjectif c'est vieille et délabrée. Cette belle et grande demeure appartient à une riche famille. إذن هذا المنزل الجميل والواسع ينتمي إلى عائلة ثرية. Alors l'adjectif c'est belle et grande. Deuxième exercice. Mets les adjectifs qualificatifs à la bonne place. Ils portent de vieux souliers usés. La vieille valise de maman est pleine de vêtements. La grande porte de la vie est fermée pour rénovation. Troisième exercice. Supprime les adjectifs qualificatifs dans les phrases. إذن قلنا إلي حذفنا الأدجيكتيف من الفراز ما كتبدلش المعنى كيبقى هو هو. Alors les bédouins passent les nuits dans des tentes. Les esquimaux creusent de trous dans la glace pour faire des igloos. Dans les cités du monde, on trouve de gratte-ciel. Et voilà les réponses, chers élèves. J'espère que vous avez appris avec moi. Et vous avez un peu de fikra à l'adjectif qualificatif. Vous vous retrouvez dans la prochaine session. Au revoir.